parole et bon parole m'a cherché. Il pas vendre nous non là. Si monsieur te vendre nous non là, m'tap salon bien là sur là. C'est moi c'est pays m'a défendre et bon nèg m'a défendre. Si monsieur te gen malheur là pour la dou bon, c'est négociation, la la lose, même Jacques magistrat dans mettre là, cap la lose là. Que m'gen tant lumière projecteur sur monsieur. M'gen pour m'vin li baptiste monsieur pour nous. Parce que là, dans nos rangs, point de traître. Répétez ça dans les oreilles, magistrat, voilà mettre là. Dans nos rangs, point de traître. Pas rien comme ça. Elle dit, si Léon Charles après-midi, elle te traite nous, m'a pas bon mentir, il t'a mal dormi. Non, il t'a mal dormi. Il a toujours tant d'émissions. Il t'a mal dormi. Mais là, ils font bête, faut nous dire ça. S'ils font coup, faut nous dire qu'ils font coup. Vous comprenez? Parce que camper devant eux à vous parler pour dire parole l'argent lié, quand même son gros coup, faut apprécier ça. Entendez un extrait dans l'intervention Léon Charles. Au conseil des quelques faits publiés par le gouvernement de la République d'Haïti en lien avec la construction du canal sur la rivière Massacre, je voudrais faire référence à l'écrivain Eduardo Galeano, journaliste et poète uruguayen. Là, mon estimable collègue Washington Abdallah serait d'accord avec moi, qui, dans son livre « Les veines ouvertes de l'Amérique latine », publié en 1971, dénonce une attitude de non-respect généralement affichée envers Haïti. Et je cite « Il faut le répéter jusqu'à ce que les sourds l'entendent. Haïti est le pays fondateur de l'indépendance de l'Amérique et le premier pays au monde qui a vaincu l'esclavage. Il mérite mieux que la réputation qui lui vient de ses malheurs. » Fin de citation. Monsieur le Président, comme nous le savons tous, les malheurs d'Haïti ont été légion au cours des siècles. Et je peux citer brièvement la dette de l'indépendance, les tremblements de terre, les ouragans dévastateurs, les embargos, les crises politiques à répétition et finalement la crise actuelle caractérisée par la violence aveugle conduite par les gangs armés sur une bonne partie du territoire. La principale cause des problèmes auxquels nous faisons face actuellement est l'insécurité généralisée du fait de l'action des gangs armés. En réponse à la demande du gouvernement de la République, inscrite dans la lettre du Premier ministre, son Excellence Docteur Ariel Henry, le 8 octobre 2022, ma délégation profite pour remercier les États membres qui ont contribué à l'adoption de la résolution 2699 par le Conseil de sécurité le 2 octobre dernier, autorisant la constitution d'une mission multinationale d'appui à la police nationale. Ma délégation invite les États membres de notre illustre organisation à contribuer par tous les moyens possibles en vue de permettre à la mission d'appui de se constituer effectivement. Monsieur le Président, la République d'Haïti en a assez des crises. Ce n'est nullement le moment d'en alimenter une autre avec notre plus proche voisin. C'est d'ailleurs ce sentiment qu'a exprimé le Premier ministre, Dr. Ariel Henry, qui, à une question de journaliste, a répondu en ces termes. Pas de tac au tac avec le voisin. L'essentiel, c'est de trouver une solution. Le gouvernement haïtien affiche une position de sagesse, sans émotion, mais avec maturité. Monsieur le Président, chers collègues ambassadeurs, s'agissant du différend opposant la République dominicaine et la République d'Haïti concernant la construction du canal sur la rivière Massacre, souffrez que je vous présente brièvement quelques faits. Le gouvernement haïtien, dans le but de maîtriser les coûts de la rivière Massacre et mettre en valeur du même coup une partie de la basse plaine de Maribaou, dans le nord-est, a décidé en 2018 d'entreprendre la construction de systèmes d'irrigation pouvant arroser 3 000 hectares de terre. Le dit système sera alimenté
par les eaux de la rivière Massacre. Celle-ci est un cours d'eau frontalier formé par des affluents prenant source tant en Haïti qu'en République dominicaine. Ainsi, le territoire haïtien contribue largement à générer les débits mobilisables de cette rivière commune. En République dominicaine, elle prend naissance à Pico del Gallo, Loma de Cabrera. En Haïti, elle reçoit au niveau de Contré Bernard plusieurs affluents, prenant naissance dans le versant haïtien de la Cordillère Centrale, notamment la rivière de Capotille, la rivière Gens de Nantes et la rivière Lamine. Après environ 10 km comme ligne de démarcation entre les deux pays, elle pénètre en Haïti sur un parcours de 2 km avant de traverser la frontière au niveau de la borne RH-RD 13 pour un parcours en territoire voisin. Puis elle redevient en ligne frontalière jusqu'à son embouchure dans la baie de Mancenille. De la signature du traité de paix, d'amitié et d'arbitrage le 9 février 1929 à nos jours, la République dominicaine a construit 12 ouvrages sur la rivière Massacre dans la région de Loma de Cabrera et de Dajabón, dont 8 prises sur berge et 4 mini-barrages. Je répète, de la signature du traité de paix, d'amitié et d'arbitrage le 29 février 1929 à nos jours, la République dominicaine a construit 12 barrages, ouvrages sur la rivière Massacre dans la région de Loma de Cabrera et de Dajabón, dont 8 prises sur berge et 4 mini-barrages. Les travaux de ces ouvrages ont été réalisés de manière unilatérale et n'ont pas été préalablement notifiés à l'État haïtien. Ces infrastructures hydriques en fonction sur le territoire dominicain exploitent plus de 70% des ressources en eau de la rivière Massacre à des fins agricoles et industrielles. Clé, ça les travaux du canal ont véritablement démarré le 2 avril 2021. Mm-hmm. Peu de temps après, les autorités dominicaines ont dénoncé la réalisation de ces travaux, mm-hmm. arguant qu'il s'agissait. Oui, on a continué, lui. La nation haïtienne s'est rendue à Santo Domingo uh-huh. en vue de faire valoir la position du gouvernement haïtien en présentant et en décrivant l'ouvrage de dérivation. Le 27 mai 2021, à la fin de la rencontre, les deux parties ont signé une déclaration conjointe stipulant notamment dans ses considérants il est établi le droit pour les deux nations d'utiliser les eaux des rivières qui se trouvent dans la zone frontalière de manière juste et équitable. Le 7 juillet 2021, malheureusement, les travaux ont été interrompus avec l'assassinat du président Jovenel Moïse. Le mercredi 30 août 2023, des agriculteurs de la plaine de Bamaribao ont entrepris la poursuite des travaux de raccordement du canal. Le 1er septembre 2023, le Premier ministre Ariel Henry a dépêché une mission sur le terrain en vue de discuter avec les riverains. Le 8 septembre, le gouvernement dominicain a ordonné unilatéralement la fermeture du poste frontalier officiel de Dajabón-Ouanaminthe. Parallèlement, l'armée dominicaine a fait une démonstration de force en mobilisant des engins lourds sur cette partie de la frontière. Le mardi 13 septembre 2023, les gouvernements haïtiens et dominicains ont décidé de commun accord de se réunir à Santo Domingo à travers la table hydrique binationale de la commission mixte bilatérale afin de trouver une solution juste et définitive à ce différend. Le 14 septembre 2023, alors que les deux parties étaient en pleine négociation, un décret présidentiel a été promulgué par le gouvernement dominicain mettant à exécution les menaces proférées 3 jours plus tôt de fermer les frontières terrestres, aériennes et maritimes avec Haïti. Ces mesures unilatérales ont amené la délégation haïtienne
à mettre fin aux négociations bilatérales en cours. Monsieur le Président, chers collègues ambassadeurs, la construction du canal ne va pas s'arrêter. En regard de la topographie. Non, attendez bien. Moi, je ne vais pas vite en dire cette parole. Ti John, tournez-y ça pour nous. Ase Mdou, alors, Léon Charles, ce n'est pas parole, il a répété, c'est parole gouvernement, bah, l'hypoté. Donc, c'est porte-parole gouvernement, dans OEA. Donc, c'est parole gouvernement. Mais l'hypothèse, parce que y a des qui ont dévié parole. Monsieur pote parole là. Vous comprenez ça, il est bien pote, il est bien parlé. Et si John tourne un petit ça, et ça me remet, ça. Construction, il pape campé. C'est ça, il dit, oui, KPK, il pape campé, tourne dans le quotidien. À mettre fin aux négociations bilatérales en cours. Monsieur le Président, chers collègues ambassadeurs, la construction du canal ne va pas s'arrêter. En regard de la topographie de la rivière Massac, d'une part, ainsi que de la lettre et de l'esprit de l'article 10 du traité du 20 février 1929, d'autre part, le gouvernement haïtien clame son droit d'utiliser de manière juste et équitable les eaux de la rivière Massac, rivière frontalière et successive, alimentée par des affluents des deux pays. La situation actuelle, caractérisée par la fermeture des frontières terrestres, aériennes et maritimes, ainsi que la mobilisation de troupes militaires du côté dominicain, n'est profitable ni à la République d'Haïti, ni à la République dominicaine. Il y a une urgente nécessité de calmer les esprits et de prendre des mesures concrètes pour une désescalade. Haïti condamne fermement l'utilisation de la menace, des manœuvres d'intimidation et de la désinformation qui ne sauraient se substituer au respect des engagements internationaux. Le gouvernement haïtien exprime sa grande préoccupation face à l'intransigeance des autorités dominicaines. Il condamne fermement le récente décision d'agrandir le canal de la Vihia avec l'intention officiellement affirmée de dévier complètement les eaux de la rivière Massac afin d'en priver les utilisateurs haïtiens en violation flagrante du traité de paix, d'amitié, d'arbitrage du 20 février 1929. Clair. En gros, yon monte sous li, et ça te fait m'dou, moun sa yo, nou pa gen ken bagay ke n'bral di ak yo. Yo pa respecte, yo passe nan papier. Lè gen l'autre gouvernement vini, et na négocier avec yo. N'ap gen l'autre gouvernement vini tout. Parce que Ariel pa utile an, hein? Là nan pays, an, il faut que li ale. Adi, lè gen un gouvernement tout neuf haïtien qui monte, lè gen un gouvernement tout neuf dominicain monte, na chitak moun sa yo pou négocier avec yo, mais fon bien négocier. Faut bien négocier parce que on ça on pas respecter nous trop ou là ou bien parler ti John ou bien parler monsieur le président. La construction du canal ne va pas s'arrêter. Répétez-le encore. La République dominicaine doit reconnaître le droit des deux pays à utiliser de manière juste et équitable. Ti John ouais là monsieur parle bon parole un bon côté de discours net. Même dedans un petit cal là-dedans, et monsieur parle bon. Même si son bagaille au bal, li men l'île bien l'île propre. Faut ne répondre qu'un bé ça. Donc gouvernement dans OEA, li dit que canal la pape campé. Son douane gagné pour nous construire canal yo. Et bon seul, canal yo faut nous construire plusieurs. Et ouais, et ça faut le mettre accent sur équitable, qui donc égal égo, juste. Et équitable, égal égo. Yo gen 12 nou gon seul, gen 11 pou nou fouye encore. Parle ti John. Et on allez, la boîte de l'eau, temps en temps, boîte de l'eau. Monsieur le Président, la construction du canal ne va pas s'arrêter. Claire. La République dominicaine doit reconnaître le droit des deux pays à utiliser de manière juste et équitable les ressources à nous partager de la rivière Massac. Conformément au terme de l'article 10 du traité de paix, d'amitié et d'arbitrage du 20 février 1929 et aux normes internationales en la matière. Le problème actuel concernant la rivière Massac
sans sous-estimer les conséquences de sa gestion irrationnelle, paraît être un dossier mineur et une distraction par rapport aux grands défis communs auxquels doivent faire face les deux pays. Car les voies de résolution claires et précises sont déjà prévues dans le traité subventionné. Clair. Monsieur le Président, la construction du canal ne va pas s'arrêter. Clair. Trois fois le deal là. Le gouvernement haïtien réaffirme le droit du peuple haïtien à un usage juste et raisonnable des eaux partagées et s'engage à travailler avec toutes les parties prenantes locales. Clair. Pour la réalisation des travaux dans les règles de l'art par les entités qui ont les compétences techniques et légales pour ce faire. Clair. Le gouvernement haïtien lance un appel à la sérénité et réaffirme la volonté de continuer à travailler afin d'obtenir une solution définitive aux différends sur l'utilisation des ressources en eau de la rivière Massacre et à poursuivre en ce sens les discussions alternativement en Haïti et en République dominicaine. Elle réitère son invitation transmise par la note en date du 15 septembre 2023 du ministère des Affaires étrangères adressée au ministère dominicain des Relations extérieures à reprendre les négociations. Le dialogue étant un élément essentiel aux relations de bon voisinage. Monsieur le Président, la construction du canal sur la rivière Massacre est depuis quelques années l'un des sujets faisant unanimité au sein de la population et de tous les secteurs en Haïti. Claire. Les Haïtiennes et les Haïtiens ont une solidarité avec la population du Nord-Est et plus particulièrement la communauté de Wanamet parle d'une seule voix quant à la poursuite des travaux. Nous dit KPK. Rete. Canal là, pap campé. Ah, mon battant de discours. Tidjon, tourne ça encore, Tidjon. Mbattant de discours. KPK le dit, OEA, oui. Mon si Léon Charles parle avec, il pas en mime, mais s'il parle avec moi, m'tap dit tout profiter pendant dans OEA. Et faut retourner sous ça, oui. Son coûte n'est pas Léon. Là, on va un petit coûte, mais faut retourner sous ça pour nous, parce que l'autre bataille à mener. Yo fait cas de Jacques, son jeune femme haïtienne, en dans aéroport Las Américas. Et m'gon reportage que m'gal passe sous l'île à talè. D'ailleurs, gon campagne a fait contre nous là. Pas gagné d'ici émission ça, ou pas descendre talè. Parce que gon campagne a fait là, yo pas vle n'parle vérité ak mode là. Si Léon, dim que là, nan ouye à l'al pral parle, m'dap di Léon, songe ça, mette le dans discours tout. Tout rappele ouye à, non seulement y a violé droit nous, c'est pas violé droit seulement comme si repousser Uber non, y a fait cas de Jacques sous nous tout en dans aéroport international. Et qui est-ce qui fait ça? Yon agent immigration qui gagne bureau le même en dans aéroport. Ouais là Léon faut ballon petit goutte maintenant ça tout dans OEA. Faut rappeler les amis ça comme on chérele et Louis Amago et baron ça relé. Faut parler les amis pour dire mon cher. C'est pas ça seulement yo fait nous. Mais nous avons un dossier. Nous avons deux dossiers à traiter là. Deux dossiers qu'a déjà. Gon médecin, gynécologue, nous te passé ça là. Faut me voir au bas, ou Léon. Pour qu'a ouais, ça m'a parlé. Faut aider tout, faut aider nous. Parce que là, nous, même mon avocat, nous besoin de baguette, nous pour qu'a joindre. Et nous besoin de l'argent tout pour nous. Qu'un dossier ça. Faut parler avec nous, Léon là. Faut qu'a aider. Faut qu'a aider. Parce que la vie de fille a menacé. Même document yo kembe jusqu'à présent. Prétexte tant que t'a voyagé ak faux document. Et yo kembe yo pri talan da yo pa. Sou tegli, ou est sou la geti sa seulement dans discours et sans sou son t'a fait yo di a. Et sans sou son t'a fait. Vous comprendre? Bon, mais pas ou retourner sou li et faut me tourner bay sa côté ou pour rappeler président moun sa ou pas bon moun. Mais ça va régler en da yo pa la kayo. C'est pas côté moun aller, côté ça va côté moun aller, non? En solidarité avec la population du Nord-Est et plus particulièrement la communauté de Wanamet parle d'une seule voix quant à la poursuite des travaux. Nous dit KPK. Claire. Canal là, pas campé. Ah, on finit. La construction du canal ne va pas s'arrêter. Claire. On finit de parler, dis-ce qu'on finit, oui. La construction del canal ne va pas s'arrêter. Si. Claro que le gouvernement si. De la République d'Haïti réclame le respect de l'intégrité de son territoire. Claire. Sans faire le compte rendu exhaustif de la situation de nos compatriotes et de nos terres voisines,
Le gouvernement appelle aussi à la protection de ses ressortissants et au respect des conventions internationales en la matière. Il réitère également l'appel au dialogue entre les deux parties. Claire. Je vous remercie. Merci. Bon discours. Non, bon discours. Gouvernement, il veut un bon parole là, dans OEA. Donc, Léon pote parole là, monsieur bien parlé parole là, li bien dit ça la dia, et puis la paix, KPK, Canal Pap campé et son vérité, pas rien campé. T'es rien campé? Non, pas rien campé du tout, au contraire, nous bagay ça. C'est parce que ça me besoin haïtien comprendre. Haïtien yo, gèle poko comprendre dimension bataille là. Sou kwe menti, nous fin dans de Léon, en allait, hey, monsieur manque écrasé parlement. Tant de missions, non. M'gal traduit pour nous. Nous connaît. Bah, côté.